Hey, salut, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo beaucoup trop cool. C'est une vidéo clairement que je peux faire que grâce à vous, puisqu'aujourd'hui, j'ouvre bien vos colis. Vous allez en douter avec le titre et la miniature de la vidéo. Mais bah voilà, j'ouvre vos colis, ça fait beaucoup trop plaisir. Et bah, gros big up à vous avant même de commencer la vidéo. Avant de la commencer, justement, je vous rappelle que cette semaine, je vous fais gagner un booster BLHR grâce à mon partenaire Le Coin des Barons. Le lien dans la description, n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Donc pour faire un petit récap sur ce qu'on va ouvrir dans cette vidéo, eh bien les gars. Déjà, on a 4 enveloppes. Alors, il y a 2 enveloppes du lot qui sont des échanges avec des abonnés, mais vu qu'elles sont arrivées en même temps, sachant que j'ai toujours reçu tout ça plus ou moins dans la même semaine, on va dire à 10 jours d'intervalle. Donc, il y a des échanges avec des abonnés, donc ça, je vais plus les découvrir avec vous. C'est pas vraiment un cadeau d'abonnés, mais ça reste vos colis, donc c'est beaucoup trop cool. Et cette enveloppe, les gars, vous imaginez même pas, elle vient du Québec. Du Québec, elle a traversé, enfin, c'est ouf quand même, c'est ouf. Et voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la première partie, les enveloppes. Et. Le colis, les gars, le colis. Voilà, c'est un abonné qui m'a envoyé un message sur Facebook avec qui j'ai déjà échangé plusieurs fois. Et il m'a dit, ben voilà, j'ai des choses que j'aimerais t'offrir. Et voilà, encore une fois, gros merci à vous. Gros merci à toutes les personnes qui ont participé à les vidéos. Je vous le citerai à chaque fois que j'ouvre vos cadeaux. Mais c'est beaucoup trop cool. Je fais pas de vidéos pour ça. Je fais pas de chaîne YouTube pour avoir des cadeaux, pour gratter, je ne sais pas quoi. Mais c'est beaucoup trop cool de voir que vous, vous êtes là, vous êtes présent. Cette aventure, elle existe grâce à vous et uniquement grâce à vous. Et bah, pouvoir partager tout ça avec vous, c'est beaucoup trop cool. Je le répète, j'en ai parlé dans la vidéo où je parle de mon premier tournoi. Mais vous rencontrer, c'était encore mieux que d'échanger avec vous par message. Et bah, je suis beaucoup trop content de vivre tout ça grâce à vous. Ce que je vous propose, parce que là on va partir dans la nostalgie et c'est bof, on va commencer à s'ouvrir tout ça, on passe sur la deuxième caméra très rapidement. Ok, alors j'ai tout scotché, ça c'est la grosse enveloppe qui vient du Québec, donc on va se la garder pour la fin. Je pense que ça doit être... ah j'ai un doute, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être... Je pense que ça doit être Mathéo qui m'a envoyé ça, vu que j'ai scotché, je sais pas exactement ce qu'il en est. J'ai scotché pour pas qu'on voit les adresses, en fait, tout simplement. Hop, je pense que c'est l'enveloppe de Matteo. Ouais, c'est ça. Donc, pour la petite histoire, le FUBU, c'est vraiment un cadeau. En fait, on devait faire un échange. Il m'avait demandé des cartes. Il m'envoie un message pour savoir si j'avais des cartes de dispo. Et je lui dis oui, je lui sors les cartes. Et il me dit, bah, finalement, je les ai trouvées. Et du coup, je lui avais demandé des objets sacrifices en échange. Il m'a dit, bah, du coup, vu que t'as sorti les cartes pour rien, bah, je te les envoie. Cadeau. Donc, du coup, voilà, bah, ça, c'est beaucoup trop cool. Ça valait dans mon deck Luna Light parce que, bah, envoyer la carte magie au cimetière, c'est beaucoup trop fort. Et, bah, il m'en manquait. Donc, bah, merci à toi, Mathéo. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cool. Deuxième enveloppe, ça doit être celle-là. Ça doit être Vivian, je pense. Ouais, je pense que c'est l'enveloppe de Vivian. Alors, Vivian, c'est un échange. C'est un échange contre du Farstar. Je crois que c'est un échange contre du Farstar. Normalement, c'est un booster à l'intérieur. Ouais. C'est un booster dueliste légendaire Destinée Immortelle. Sachant que je n'en ai pas ouvert. Donc. Et bah, franchement, si je fais tomber la petite. C'est quoi? C'est le héros de la destinée là? Héros élémentaire qui coûte une blinde. Ça pourrait être plutôt pas mal, hein, clairement. J'ai beaucoup trop hâte pour le colis. Genre, il est énorme. Je l'ai pas ouvert. Je l'ai ouvert juste pour voir ce qui. Pour voir si. Bon, ok, j'avais pas vu. Je l'ai ouvert juste pour me faciliter la vidéo, mais je me suis pas spoil. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, petit démon malveillant. Invitation des ténèbres. Du prédaplante. Ok. Et derrière, on a une carte rare. Mais en tout cas, c'est cool. Ça, c'est trop, trop cool. C'est une carte vraiment que j'apprécie beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Vivian. Ok, on continue. Ça, c'est sûr, c'est l'enveloppe de Thierry. Et ça, c'est pareil. C'est un échange avec un abonné. C'est le fan des pingouins. Vous commencez à le connaître. Et lui, à chaque fois... Enfin, c'est un échange cadeau, entre guillemets. Parce que je sais qu'à chaque fois, il met beaucoup plus de trucs que ce sur quoi on s'est mis d'accord. Là, il m'a dit, oh, t'inquiète, je te mets... Je lui ai demandé du Luna Light pour faire mon deck. Bah, ça, par exemple, la fusion, je lui ai vraiment pas demandé. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, je te mets d'autres trucs. Donc, c'est un échange cadeau. Et du coup, je lui ai simplement envoyé des pingouins parce que je sais qu'il adore ça. Du coup, à l'échange, bah, vous le savez, des fois, je vous demande... Tiens, vous le savez, je vous demande des pingouins, savoir si vous en avez. Et bah, du coup, voilà, c'est pour Thierry à chaque fois. Et du coup, bah, c'est trop cool. La fusion que je n'avais pas, qui est beaucoup trop cool. Alors, on va regarder ça après. Le petit... Ok. Stylé. Putain, j'avais pas la danseuse des épées, je crois, en plus. Ah, oh, il y a le trap derrière. Alors, le trap que j'ai acheté à Obscurity, il y a... Big up à toi, il y a quelques jours. C'est une carte qui cote pas mal, mine de rien. Et lui, il me le met dedans, comme ça, tranquille.
Eh ben écoute, merci beaucoup. C'était pas prévu du tout, hein. Le trap, j'étais pas au courant. Je l'avais même dit, enfin, j'avais vu le trap, mais je lui avais dit, le mets pas parce qu'il cote, justement. Le petit Danger, ça fait plaisir. Parfum, évidemment, x2. Oh, ça c'est cool pour Orcust. Et encore du Lunarite. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'est beaucoup trop cool. Donc là, en gros, à la base, moi j'ai dû lui demander, je pense que j'ai dû lui demander ça, ça, ça pour sûr. Et en vrai, je pense que c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un échange cadeau, parce que c'est un abonné beaucoup trop cool, qui est là depuis bien longtemps, mine de rien. Et voilà. On va s'ouvrir la petite enveloppe du Québec, les gars. Le Québec, mais non, mais vraiment, moi j'ai genre... Bon, c'est un abonné. Alors d'ailleurs, c'était drôle d'échanger avec lui, parce que... hop. Tac. C'est... en fait, je réponds pas toujours directement à vos messages. T'ouvres le truc, tu vois, tu m'en sors vivant, ça fait plaisir. Je réponds pas tout le temps à vos messages, enfin, je réponds pas directement, en fait, tout simplement, parce que bah, j'ai un boulot à côté, hein, clairement, et du coup, bah, vu que lui, au Québec, il y a un décalage, bah, du coup, on avait des conversations style des messages de 3 heures de différence entre les deux, et du coup, c'était assez drôle, mais du coup, c'était pas gênant, et il m'a dit, ça fait longtemps qu'on me parle, et il m'avait dit à la base, bah, écoute, je t'enverrai des sarcophages dorés, là, j'en ai juste ici, j'avais fait une ouverture il y a quelques temps, et il m'avait dit, bon, en fait, j'abandonne l'idée des sarcophages dorés, mais je t'envoie quand même un cadeau, parce que je te l'avais dit, et donc, c'est ce qu'on ouvre aujourd'hui, donc, petit Monster Reborn pour commencer, alors, je crois qu'il y a plusieurs cartes à l'intérieur, j'ai l'impression, en tout cas. Un Jaka ? Mais sérieux, mec ? Attends. Ok, il n'y a qu'une seule gamme. Je vérifie, hein, on n'est plus à l'abri d'une belle surprise. Un Jackalope. Ok, MP19. Alors, c'est une anglaise, mais bon, c'est beaucoup trop cool. Et en plus, j'en ai besoin justement pour faire mon deck. Donc, beaucoup trop cool. Un petit Regeki. Et du coup, derrière, on a. Ok, deux Regeki. Mais ça, c'est trop cool. Tu mets dans tous les decks, clairement. Petit token. Petit token brillant en plus. Waouh, stylé. Et du coup, derrière. Ok, putain, j'ai jamais vu ce token. Il est trop beau. Alors, je collectionne les tokens, hein. Pour certains le savent parmi vous. Et du coup, putain, c'est double slivé, ça. Un Trisbinea, pareil, MP19. Et derrière Trisbinea... Noni. Mais non, mais c'est pas vrai. Un Borel Sworn. Juste un Borel Sworn. Donc, je suis le seul YouTuber français à avoir deux Borel Sworn. Et n'a jamais en avoir droppé un seul. Thierry, dont je parlais juste avant, m'a offert le premier. Et du coup, et ben Jean m'a offert le deuxième. Donc... voilà, je sais pas quoi dire, c'est beaucoup trop cool, c'est, merci, voilà, c'est génial, putain, c'est ouf. Stylé, du chevalier noble. C'est pas mal aussi, hein, ça c'est pas mal aussi, hein. Stylé de ouf, et un Blue Eyes White Dragon. C'était 13. C'est vieux ça, c'était 13, non? What? Un Saryuja en exfo, mais putain, mais... C'est une carte qui vaut 30 balles, enfin qui vaut moins maintenant, mais... Mais non. Ben merci beaucoup, franchement c'est trop cool, enfin... C'est une enveloppe à quoi? C'est une enveloppe à 80 euros, facile. C'est... Merci mec, ça fait vraiment plaisir, je... Bah c'est cool, franchement, c'est trop cool, c'est genre c'est ouf, vraiment Yu-Gi-Oh! C'est ouf comme histoire, comme aventure, comme tout. Enfin là c'est des cartes qui viennent du Québec, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est génial, enfin, et tu m'offres ça, genre, c'est, genre il y a des pépites à chaque fois que je passe, une Jackalope pour ça. Et c'est pas le plus gros, hein, il reste encore le colis à ouvrir, enfin je sais pas en fait, j'en sais rien, mais le H... Le H est trop cool, le Borel Sword est trop cool, le Jaka est trop cool. Merci à toi, ça fait vraiment beaucoup trop plaisir. Ok, bon, je fais une toute petite pause parce que du coup, ça vraiment, ça m'émue en fait, entre guillemets. Ça me touche, c'est vraiment trop cool. Il reste encore le colis, donc je voulais faire ça bien parce que bah, je reçois pas des colis tous les jours, hein, encore heureux. Mais voilà, on va s'ouvrir tout ça ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais le garder sur le côté, je vais l'ouvrir parce que sinon, devant mon plan, j'ai pas assez de recul, donc... Je vous montre ce que je viens de voir. Il y a un disque de duel dedans. Bon, vous en étiez douté, je suppose. Ok, bon, il y a un disque de duel complet. C'est le disque de Yusei, ça. Ça, c'est le disque de Yusei. Je vois des boîtes. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Il est beaucoup plus grand, j'ai l'impression que... Je viens de voir un truc de ouf. Alors attendez.
il y a un petit mot, mais il m'a dit ne lis pas le mot, lis-le à la fin, sinon ça va te spoil. Ok. Bon, le disque de duel, c'est déjà très très cool. Mais regardez ce qu'il y a, les gars. C'est trop cool. Ça, ça me plaît beaucoup trop. Un putain de playmat double. Dieu égyptien. Enfin, égyptien, c'est beaucoup trop cool. Franchement, c'est ouf. Vraiment, c'est ça le mot, c'est ouf. Je vais essayer de le mettre devant le plan caméra. Je sais pas si ça va passer. Peut-être un peu. Il était plié dedans, donc peut-être si. Bon, je vais le laisser comme ça. J'ai peur de faire bouger cet objectif-là. Et du coup, il reste deux boîtes. Et après, le colis. Il reste des trucs en fait. Ah non, c'est du papier journal. On va le remettre là. Il reste deux boîtes. On va s'ouvrir les boîtes. Et puis après, on lira le mot. Hein. J'ai beaucoup trop hâte de lire le mot. Je pense que ça va être très cool encore une fois. Oh, je vois des cartes. Fire Hand. Carte sous sleeve. L'artefact. Du Trap Tricks. Peut-être qu'il y a des lancers en vrai. Peut-être qu'il y a des lancers. Ah, mais c'est un deck complet en fait. Alors, je connais pas très bien le deck, mais. Très bien. Là, c'est un deck complet Trap Tricks en fait. Là, c'est des cartes un peu plus random, j'ai l'impression. Un peu plus rétro, on va dire. Ça, c'est cool. Pendulé de combat. Putain, mais il y a des bottes de miel. Ok. C'est tout. Carte à l'envers. Écoute, le premier paquet est beaucoup trop cool. Les petites cartes sous sleeve, je suppose qu'elles ont une petite valeur. Et je pense que du coup, en honneur à ça, je ferai le deck Artefact. C'est un deck, je crois. Putain, vous kiffez m'envoyer des Monster Reborn. Vous kiffez ça. Et c'est trop cool en vrai. Alors attends, ça c'est. Ça doit être de la sleeve en rap vide. Parce que c'est. Mais c'est un vrai. En vrai. C'est un deck Light Sword. Le petit monster, ouais c'est sûr, c'est un deck Light Sword. Le petit monster reborn, ça fait plaisir, franchement c'est trop cool. Et c'est un deck Light Sword complet en fait. Alors j'en ai déjà un, mais je vais utiliser certaines de tes cartes pour compléter le mien. Et je pense qu'en honneur à ça, j'utiliserai tes sleeves blanches pour faire un deck Lancea. Il est complet, je pense que le deck est complet en vrai, je me rends pas compte, mais je pense. J'ai totalement oublié, j'étais tellement à fond dans tout ça que j'ai oublié de lire le petit mot que m'a laissé Mathieu. Donc je vais le lire avec vous. Ce petit passage sera mis sûrement au montage, on verra ce qu'il en est. Un gros merci à toi Alexis, aka Monster Reborn. Et il y a tout un mot à l'intérieur, je vais vous le lire tout simplement. Monster Reborn, en espérant que le contenu de ce carton te plaise et que te soit utile dans tes prochains projets, duels entre potes, etc. Dans les deck boss, il y a un petit deck dans le style rétro, j'espère qu'il te plaira, et dans l'autre, une base de deck, entre autres. Okay. J'espère également que le tapis te plaira, le tapis de ouf, mec, vraiment, merci pour tout ce que tu fais et continue comme ça, tu es incroyable. Bah, gros, ça fait super plaisir, merci Mathieu. PS, même si tu ne le sais pas, ces derniers temps, tu m'as beaucoup aidé dans ces temps difficiles. Ouais, ça fait grave plaisir, mec, je sais pas quoi dire. Bah écoute, merci beaucoup à toi, et puis on passe à la suite de la vidéo. Allez. Et bah écoutez, merci beaucoup. Alors la personne qui m'a envoyé le colis s'appelle Mathieu, merci beaucoup à toi Mathieu, ça fait beaucoup, beaucoup, trop plaisir. C'est vraiment trop cool. Cette vidéo se termine, en plus mon appareil photo, enfin l'appareil photo de ma copine me dit qu'il n'a plus de batterie, donc on va terminer la vidéo assez rapidement pour pas perdre l'enregistrement. Merci à vous tous, merci à tous pour cette aventure qui est beaucoup trop cool. Ça existe que uniquement grâce à vous, c'est-à-dire que votre soutien, vos échanges, toutes ces choses-là et votre présence surtout est beaucoup trop importante pour moi. Moralement, ça me soutient beaucoup, hein, mine de rien, d'avoir parce que deux vidéos par semaine, c'est lourd. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça nécessite beaucoup de mise en place, etc., même dans ma vie perso, et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, je vous l'ai même pas dit, mais on a passé les 3K. Parce que je tourne cette vidéo tout de suite, mais... Elle sortira mardi. On a passé les 3K hier et ça fait beaucoup trop plaisir. 3K, vous imaginez, vous êtes 3000 à me suivre. Je suis un peu perturbé. Je dis peut-être un peu de la merde. Je m'excuse. J'espère que cette vidéo sera cool quand même. J'espère que vous avez apprécié la regarder. Si c'est le cas, ben, vous pouvez vous abonner, me rejoindre dans ma communauté de joueurs Yu-Gi-Oh! À travers ma caméra YouTube. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et puis ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vu dans ces enveloppes, ce que vous en pensez. Juste un petit mot, ça fera toujours plaisir. Prenez soin de vous, faites un nouveau duel et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Et ciao !